Et c'est la deuxième vidéo test de Halloween avec Oliver Plasma et The Firefly. Oh, peur. Et bienvenue à cette deuxième vidéo test spéciale Halloween. C'est la démo de Resident Evil 6. Le dernier de Resident Evil. Evil. Et voilà tout. Mais on a décidé de faire plutôt Buzz, oui. Qui est un jeu plus classe. La classe. Eh oui, ça, on répondra tous ensemble à des super questions, mais comme c'est de la merde, on va faire Resident Evil. Parlez pas trop, Oliver, vous puez de la bouche. Oh. Vous êtes vraiment toujours aussi gentil avec moi, Firefly. Oui, surtout dans les vidéos spéciales Halloween. C'est en noir et blanc ou quoi? Eh oui, Oliver va nous mettre tout ça en couleur. Bah, je vais le faire. Voilà, tout est en couleur. Ah oui, parce que la télé de Firefly est un peu vieille. Oh, elle se met en noir et blanc toute seule. Bon, appuie sur Start, hein, Firefly. Ok. Et c'est une démo de Resident Evil 6. Voilà, c'est la démo officielle de Resident Evil 6 qu'on va découvrir ensemble. Voilà, ça fait plus classe, comme ça. Vous répétez un peu toujours la même chose, Oliver. Alors, on est parti pour Resident Evil 6. J'espère que vous allez avoir peur. Et que vous allez adorer, sûrement. Et oui. Vous adorez déjà ma voix classe. Vous adorez... mon charisme. Et ma carrière de beau gosse. Car... Et ouais. Je ressemble à trois gouttes d'eau à Léon qu'on va prendre tiens, oui. Pour cette démo. Voilà, alors il y a deux. Alors dans la démo, il y a deux choix de personnages, soit Léon, soit Elena. Je rappelle que c'est Firefly aux commandes. Mais il y a aussi Chris sans doute, parce qu'il y avait aussi d'autres modes de jeu. Bien sûr, mais là on est sur la démo, et c'est soit Léon, soit Elena. Mais même dans la démo, on peut aussi avoir Chris. Oui. Alors on peut voir que la démo est quand même assez complète. Très complète même, pour une démo. Voilà, alors on va commencer la partie de la démo. Rien que la bande son, ça fout l'épaule. Vous entendez sans doute pas grand chose, mais nous on entend. Alors vous pouvez voir qu'on peut jouer avec une autre personne en ligne, rien que pour la démo, c'est quand même pas mal. Alors si jamais vous voulez jouer avec un copain et que vous êtes un vrai clodo qui est pas capable de s'acheter Resident Evil 6, et bah jouez à la démo. Tout simplement. Car elle est gratuite. Alors là c'est une cinématique sympa. Je vous la ferai pas voir parce que je me suis pissé dessus la dernière fois que j'ai vu. Alors voilà les touches. En fait, je pense que c'était le président des États-Unis qui se transformait en zombie. Dans la vidéo là. Le peu qu'on a vu. Et ils l'ont tué après. Et on est parti pour cette démo. Et Oliver Plasma va décrire un peu l'environnement de ce Resident Evil 6. De la démo pendant que je joue. La démo est plutôt pas mal graphiquement, mais j'espère que la version complète sera un peu mieux parce que la PS3 est capable de faire largement mieux. Bon, les personnages sont très bien modélisés par contre. Et Resident Evil 5 quand même a été un peu mieux fait graphiquement, je trouve, que ce qu'on voit dans le 6 là. Alors, quelque chose qu'on peut préciser, c'est qu'il y a les voix françaises dans ce Resident Evil 6. Et oui, c'est nouveau. Enfin non, il y avait aussi dans le Révélation, mais c'était sur 3DS et il n'y en avait pas beaucoup qui ont la 3DS. Mais je trouve que la voix de Léon dans ce Resident Evil 6 est pas terrible. Oui, elle ne colle pas du tout au personnage, je trouve. Elle est mieux en version originale. Alors bientôt, vous allez voir le premier zombie. Le premier zombie du jeu. On fait tomber une canette. Et le voilà. Je trouve que ce Resident Evil là ressemble plus au Resident Evil de l'époque car... Et voici les attaques de corps à corps, qui est une nouveauté. On peut, dans ce Resident Evil 6, on peut faire des attaques de corps à corps quand on veut. Oui, mais je n'ai pas fini ma phrase. Je trouve que ce Resident Evil là est plus repris dans les anciens Resident Evil parce que les zombies sont un peu comme avant. Avant, c'était plutôt des humains dans le 5. Des humains un peu zombifiés, mais pas beaucoup. Donc, ils ressemblaient pas trop à des zombies.
Alors là, Fireflav est en train de jouer, on dirait qu'il se débrouille pas mal. C'est un expert je suis comme matière de PS3. Je suis un expert Miami. Oh, oui. J'ai buté quelqu'un. Bon, je sais pas si tu te la pètes comme le héros. Tiens, une racaille avec une capuche. Et les collisions sont plutôt pas mal, mais quelquefois, quand on tue un zombie, je sais pas, on tire sur le ventre, par exemple, et ben il y a sa tête qui se déchire, et pourtant on n'a pas du tout tiré sur la tête. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est le défaut du jeu. Peut-être que dans la version complète, il y a plus ça. Je ne sais pas. Nous n'avons que la démo. Alors, je ne sais pas où je vais aller. Je suis perdu. Est-ce qu'il faut aller par là, par ici? On ne sait jamais trop. Et avec les personnages comme Léon et la fille, je sais plus comment elle s'appelle, avec ces personnages-là, on va plus être dans l'ambiance horreur. Mais avec les autres personnages, ça va être plus dans l'ambiance baston. Dans l'action. Et oui, c'est à peu près comme les Resident Evil qu'on aime à l'époque. En tout cas, là, c'est... Ressemble un peu au jeu d'action Resident Evil 4, n'est-ce pas, Oliver? Oui, bah aussi au 5 un peu, mais au 5, ça se passait en Afrique. Alors, décrivez un peu l'environnement, oui. Oliver, s'il vous plaît. Je l'ai déjà décrite. On est dans un campus. Oui. Et c'est plutôt très... C'est très bien réalisé, mais... Alors, j'ai l'impression que je joue avec un autre mec en ligne qui est beaucoup plus fort que moi. Mais non, c'est pas le PC, non. Non, c'est un autre mec. Un autre mec en ligne. C'est intéressant. Ok. On est deux fois plus fort grâce à ça. Ouais, je crois que c'est un mec en ligne qui est habitué à ce jeu. Alors, au niveau graphisme, c'est... pas trop mal, mais on va dire que... Oh, c'est mieux que... C'est quand même mieux que Silent Hill, heureusement. Oh, taisez-vous, Oliver. On peut juste dire que c'est pas mal, mais on s'y attendait un peu de la part d'une grosse production comme Resident Evil. Comme Capcom. Ouais, comme Capcom. Qu'on appelle parfois Capcom. Oui. Oui. Tu te souviens, Firefly? Entre autres. On s'y attendait à des graphismes vraiment un peu plus que dans la moyenne, mais on n'est pas vraiment surpris. Oui, car la plupart des jeux de Capcom sont vraiment très bien réalisés, ils sont très beaux. Les Resident Evil ont été vraiment très beaux pour les consoles avant. Mais là, ils ont vraiment pas donné toute la capacité de la PS3. Que sur GameCube, par exemple, pour le 4, ils ont donné toute la capacité de la console. Et là, je vais laisser la manette à Oliver Plasma qui va vous faire une petite dédicace de son talent. C'est parti! Oula. Et je vais mettre un peu plus fort pour qu'on se sente vraiment dans l'ambiance d'un Resident Evil. Vous avez la classe, Fireflav, comme vous me dites. J'ai l'habitude d'avoir la classe, tout simplement. Quand vous dites le nom du jeu. Resident Evil. Bon, à cause des citrouilles, on peut pas trop voir notre barre de vie. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween. Ah oui, et là, il y a l'alarme. On n'a pas été au bout de la démo, mais déjà, à ce qu'on voit, la durée de vie de la démo est largement raisonnable. Avec notamment plusieurs campagnes. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un combo de zombies. Eh oui, les zombies ont plus de combos qu'à l'époque. Oh, vous avez fait de la merde, Oliver. C'est bon. Bon, remarquons que la caméra est quand même assez bien, mais elle bouge, elle est un peu trop speed, parfois. Merde. Attends, je vais lui donner un coup de pied au cul. Oh, sexy. Alors. Comme par exemple, on donne parfois des coups de pied au cul et ça touche plutôt leur tête, c'est un peu zarbe. Donc les collisions ne sont pas non plus incroyables. Oh,
Merde. Enfin, la difficulté du niveau de cette démo est relativement facile. On peut pas dire qu'on se chie dessus dans cette démo. Oui, mais on vient juste de commencer à y jouer, donc on n'est pas non plus des big boss. Merde. Je l'avais pas vu ça. Nous vous rappelons qu'on est sur la version démo, hein. On n'a pas assez de fric pour s'acheter la version finale. Oh. C'est juste qu'elle est super chère, voilà. Mais faut se manier le cul. Et on peut remarquer la présence de QTE. Il y a pas mal de QTE. Ouais, dans... comme dans le 4. Il y a pas mal de QTE dans ce Resident Evil 6. Ça fait un charme au jeu, je trouve. Oui, ça fait une diversité dans les façons de jouer. De jouer, voilà, tout simplement. Merci Oliver. Et on va voir si l'écran d'ordi est bien fait. Non ? Oui. L'écran d'ordi. Alors, comment il est fait, l'écran d'ordi ? Est-ce que vous pouvez tirer dessus ? C'est plutôt pas mal. Eh non, c'est mal fait. Bon, les collisions ne sont pas incroyables. Et personnellement, dans cette démo, je trouve que les collisions ne sont pas exceptionnelles. Et que, bon, peut-être que dans la version finale, c'est mieux, mais dans cette démo, Il y a parfois des zombies qui vous prennent par surprise, comme celle-là. Ouais. Là, elle va peut-être pas se réveiller, mais parfois, elle se réveille. Si, à mon avis, elle va se réveiller, c'est mon instinct de chasseur qui vous le dit. Eh ouais. C'est très discret de défoncer les portes. Eh oui, j'ai trouvé ça très indiscret. Si je serais eux, je serais un peu plus discret sur les bords, moi. Dans ce Resident Evil là, on n'a pas. Parfois, on peut même croire que les combos de près sont plus puissants qu'une balle de pistolet. C'est ça qui fait pas trop réaliste dans le jeu, parce que un coup de pied ne peut pas être plus puissant qu'une balle. Mais bon. Et puis, appuyer sur R1 pour faire un combo au corps à corps, pour moi, c'est un peu trop facile. Ils auraient dû faire plus de combos. Oui, mais appuyer sur la touche R1 pour niquer d'autres zombies, pour moi, c'est un peu trop facile, tout ça. Bah, dans les autres Resident Evil, il y avait besoin de... Enfin, dans le 4, le 5, il y avait besoin de d'abord faire souffrir son adversaire en lui tirant dessus. Tiens, il vous a pris par surprise, Oliver. Vous êtes moins malin que je le pense. Bon, je n'ai jamais fait ce jeu avant. Enfin, on avait un peu testé. Oui, au tout mais début. Je sais très bien que Resident Evil 6 est hanté dans votre tête. Vous ne vivez que pour ce jeu. Non. Comment on utilise les herbes ? Ah, c'est oui. Très bien parti. C'est une question importante. Est-ce que Léon a un déodorant ? Une autre question importante. Faut pas faire ça. Ok. Je ne sais pas, moi. Voilà, alors on peut voir aussi que... On peut combiner les herbes rouges avec les herbes vertes, comme avant, oui. comme à l'époque. Ce Resident Evil respecte... la saga des Resident Evil, tout simplement. On revoit certaines choses qu'on a déjà vues, certains gameplays qu'on a déjà vus dans les anciens Resident Evil. On dirait que notre partenaire s'est fait un peu avoir, mais ça va. J'espère qu'elle va bien. Elle est plutôt mal barrée. Eh oui. Mais comme elle est plutôt bien foutue. Waouh, très bien fait. Ah, il faut faire ça pour soigner. Il faut faire R2. Voilà. Voilà, je ne savais même plus. Moi, à l'époque, je pensais qu'il fallait qu'il se mette du déodorant. Ils se mettent du déodorant dans les autres Resident Evil, enfin dans le 5, ils se mettaient du déodorant. Je trouvais que pour l'hygiène, c'était beaucoup mieux. Eh oui! Ils se mettent du déodorant pour utiliser des herbes, c'est un peu bizarre quand même. On va dire que ces herbes... Au moins là, c'est plus réaliste, ils mangent des herbes, c'est mieux. On vous rappelle que c'est une vidéo spéciale Halloween. Vous disiez ça, Fireflav, parce que vous avez plus trop rien à dire. Ah, c'est vrai. Mais je peux dire par exemple que... On peut remarquer qu'il y a pas mal de styles d'attaque, de combos. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas que un coup de pied. On peut faire ça. Ou aussi lui écraser la tête, mais je crois qu'on l'a pas fait pendant la vidéo là. On va peut-être essayer de vous le montrer, mais
On n'est pas sûr d'y arriver. Si je jouais, j'y arriverais, Oliver. J'en me sens capable. Merde. Oh, c'est la merde. Avant, les Resident Evil d'avant, ils étaient, les personnages étaient un peu mous, mais là, enfin même très mous. Mais là, ils sont très vifs. Plutôt très vifs. Puisqu'on peut donner plusieurs combos. Et on aussi, sent tout simplement que le rythme du jeu est un peu plus rapide. Et voilà, oui. Tout. Et aussi, quand on vise sur quelqu'un, là, on n'est pas obligé de rester planté comme ça. On peut bouger en même temps. Ça, c'est déjà un nouveau truc. Ça a été déjà fait sur 3DS, mais ça a été jamais fait sur console de salon. Donc, c'est déjà une nouveauté. Et sur PC, ce jeu a l'air d'être galère à jouer. Car jouer avec un clavier, ça doit vraiment être dur. On y va. Vous l'avez bien compris, cette démo de Resident Evil 6 est quand même assez bonne. C'est un peu plus qu'une démo pour moi. Oui, franchement, parce que j'ai fait la démo de Resident Evil Révélation, parce que j'avais la 3DS. Et franchement, elle était ridicule face à une démo comme ça. Parce que la démo, je l'ai fini en 15 minutes, même pas, dans Resident Evil Révélation. Que, oui. Que là, on l'a toujours pas fini. C'est... On va peut-être pas aller au bout de la démo, parce que, à force, ma caméra va plus filmer, mais elle va le mettre en pause. On dirait à moitié qu'elle est bourrée, celle-là. C'est un peu trop facile, Oliver, de s'attaquer aux femmes. Ouais, surtout à sa nuque. Et ouais. Dans la poitrine. Eh ouais, ça se fait pas. Je suis un sadique. Un pervers, vous voulez dire. Surtout, oui. Un petit pervers. Alors, vous pouvez voir que les environnements de cette démo sont... Il y en a pas mal, c'est assez diversifié. Et voici un flic. L'IA n'est vraiment pas trop poussée, hein. Ils sont un peu cons. Mais c'est normal, ce sont des zombies, après tout. Alors, apparemment, ils veulent partir en bagnole. En tout cas, la bagnole est... Je sais pas ce qu'il faut faire, là. La voiture est très mal détaillée, je trouve. C'est moyen tout ça. C'est aussi moyen que quand vous jouez au mur. C'est bon, j'ai trouvé. C'est parti. Oh, on a beaucoup de phases de QTE. Tiens, un flic qui veut monter avec nous. Il a voulu nous arrêter, hein, ce flic. Eh oui, ça eh oui, il a voulu nous donner... Une petite leçon, voilà. Eh oui. Qu'est-ce que j'aime, les QTE. C'est ce que j'ai bien aimé dans Resident Evil 4. Et maintenant, on est sur 6 et... Et en fait, je voulais vous dire que c'est notre premier jeu auquel on joue, notre premier jeu très récent. Car la plupart du temps, on fait des jeux de 2005. Ou de 1995, oui, ou 85 parfois, hein, oh, avec oui. Mario Bros 1. Attention. Mais on aime toujours. On aime toujours les anciens jeux, les jeux rétro. Et Oliver, on va peut-être refermer ce vidéo-test. Oui. Alors, en conclusion, c'est une superbe démo qui reflète à peu près le jeu complet, mais une démo qui a vraiment une durée de vie exceptionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Oliver? Je la trouve vraiment exceptionnelle, cette démo. C'est... Une démo vraiment bien. Je crois qu'on va mettre une super note à cette démo. Non, parce que... il n'y a pas de note pour les démos. Alors on va vous dire tout simplement, c'est une très bonne démo. Une démo avec un A+. Voilà, c'est les notes que j'avais en CM2. Et voilà, on referme... on est à la fin de la démo de Léon. Et voilà, on vous a fait... Et on referme cette démo avec un petit mot à la fin pour Oliver. À la revoyure, pour de nouvelles aventures. Avec Fire of Love, c'était la spéciale Halloween. Je trouve plus le bouton.